Allez, tout en blanc les gars. Là tout le monde. Proposition de départ. Lui dans les buts. On reste à 4 derrière. Sikou et Liam sur les côtés. Mamadi et Lenny dans l'axe. À deux devant la défense, Kyrian et Faudier, on va aller les presser pour vous. D'accord? Donc c'est pour ça que Marco et Matteo sur les côtés, il va y avoir un gros travail à faire d'harcèlement sur les latéraux. D'accord? Ils cherchent souvent à repartir de derrière. Et Liam et Andrea, de suite ça va les presser. C'est pas par hasard, c'est parce qu'on l'a mérité. Et on l'a mérité de jouer cette finale. Et encore une fois, si on met tout ce qu'il faut, si on met l'impact qu'il faut, si on met la volonté, si vous montrez ce que vous avez montré depuis les 4 jours où vous êtes ensemble, où vous connaissez à peine au départ, là c'est une vraie équipe, une vraie famille, famille Madewis, et que là, vous nous sortez un résultat, vous allez vous en souvenir toute votre vie, les gars. En tout cas, une bonne partie. Et ça sera pas après en disant ah les regrets. Non, mettez tout ce que vous avez à mettre. Même si vous êtes fatigué, après on change. On est là, on est 16. Depuis le débat, tout le monde joue. Ok les gars? On était un peu en panique d'ailleurs parce qu'on relançait trop vite comme ça. Si on mène, on prend notre temps les gars. Faire tous les ingrédients, faut tout mettre pour la gagner. Après, c'est football. Tu vas en marquer, tu vas en louper, les gars, on a fait un super parcours. Je tiens à vous féliciter au nom de tout le staff, les gars, parce qu'en 4 jours, on a réussi quelque chose de magnifique. Hein. Je voudrais dire un même merci à Sébastien et au staff pour ce qu'ils ont fait pour nous, tout ce qu'ils nous ont donné. Sous la douche! Et tout ce qu'il nous a apporté, donc
Voilà, merci Sébastien et Lucas. On a fait une bonne finale, on a fait un bon tournoi. On aurait pu gagner, on joue au penalty. Je suis fier de mon équipe et de moi et j'espère que ça va continuer. J'ai appris de ce qu'on a vécu, mais à la base on ne se connaissait pas. Enfin moi je connaissais que Sofiane et Sofiane. Je connais que Sofiane. Et après on a fait connaissance avec les autres gens de Paris et après ceux de Marseille. Et franchement ça a donné une bonne ambiance. Je trouve qu'on a fait un bon parcours avec une bonne équipe. Magique, c'est vraiment une belle aventure tout ça et ça va toujours rester notre mémoire. Les Marseillais vont nous manquer avec les Parisiens aussi. Avec leur accent, ping. Vous allez me maquer, hein. Alors, on est allé loin, pour moi, je suis fier de moi, fier de l'équipe, je pense qu'on est tous. Moi, je suis fier, hein, parce que. Moi, je suis fier. Parce qu'on essaie depuis 4 jours. On a battu tous. Des gens qui sont venus on a battu des clubs pro et tout. Merci à eux, parce que ce soit au niveau du staff ou. Ils ont fait un super travail pendant 4 jours, même en amont, hein, parce que ça se prépare forcément. Et puis au niveau des joueurs qui ont été à l'écoute, qui se sont surpassés, parce que comme on l'a dit, c'était pas évident d'être à ce niveau-là en très peu de temps, contre des références, hein, dans le football français au niveau de la préformation et de la formation. Et à l'arrivée, il y a une petite déception de perdre la finale. Mais bon, sans parler du résultat, c'est surtout le contenu qui a été vraiment impressionnant en très peu de temps. On l'a vu entre le premier match amical de Châteauneuf jeudi soir. Et puis cette finale-là, quand même, avec beaucoup de choses positives dedans. On peut être que satisfait du travail fourni, que ce soit des joueurs et de mon staff. Donc voilà, je leur dis à la prochaine, je pense qu'ils vont être récompensés. Et puis nous, on va continuer à travailler et à essayer de découvrir d'autres talents et d'autres générations. Chose due, voilà les gars. Et, on aurait gagné, ça aurait été les cheveux, mais bon, comme vous n'avez pas été bon.